votre chien a peur de l'eau, nous avons la solution. Pour ce faire, une laisse d'amettes, un collet chaînette, et là, discrètement, il le verra tout à l'heure. Et on va aller malheureusement emmener ce chien qui a la phobie de l'eau, essayer de nager. Allez, allez Max, allez, va à l'eau, allez, allez. Allez, on va à l'eau. Allez, on va à l'eau. Allez, allez, on va à l'eau. Allez, bébé, on va à l'eau. Allez, allez, on va à l'eau, bébé. Allez. Bon, vous voyez bien que le chien, là, hein, l'eau, il n'a pas envie d'y aller. Ne rentrez surtout pas en conflit avec votre chien. Ça ne sert à rien. On va réessayer calmement en lui parlant gentiment. Max, viens. Allez, Max, Max. Allez. Allez, allez. 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 Bon, on voit bien, hein, le chien c'est catégorique, il a pas envie d'y aller. Pas de panique, on a la solution. Allez Max, viens. Allez. Oui, ça c'est bien. Allez, viens, viens. Allez, la baba, viens. Oui, ok, les beaux bébés. Voilà, ça c'est bien, Pépère. Voilà, très très bien. Ouais, c'est bien, Pépère. Allez, viens mon gamin, doucement. Voilà. C'est bien. Ça c'est... Ça c'est l'eau, c'est rien Max. Très bien, la balle. Ouais. Voilà bébé. Là il est bien. Voilà. Très très bien. Ok, c'est beau. Voilà. Ouais. Waouh. Oh là. Allez la balle. Allez, viens mon pépère. La main gauche sur le ventre de votre chien, la main gauche sur le ventre et la main droite sous son cou. Voilà, on lui apprend à nager. Bien. La main gauche, la main droite sous son ventre et la main droite, la main gauche sous son cou. Commence à nager comme on l'a vu sur le moment précédent. À cet instant, il faut lui rendre toute sa balle. Ouais. Allez, écoutez là. Allez. Allez, bébé. Voilà. Et là, regardez, c'est important, on peut détacher le chien. Voilà. Il n'aura plus la foudre. Regardez, peur, il avait peur. Maintenant, regardez. Aïe. Voilà. C'est bien. Ouais. Il faut constater que là, il n'y a plus de laisse. Max. Et il vient. Tout à l'heure, avec la laisse et le collier, il refusait. C'est normal. Précision. Bon, ce chien-là aime la balle de motivation. Mais un chien aime un objet de motivation. C'est à vous de lui donner l'envie. Ça peut être une chaussure, ça peut être une chaussette, ça peut être un boudin, ça peut être un air de bœuf, ça peut être un objet qu'il aime bien, un petit boui-boui, un petit... Mais le chien aimera toujours un objet de motivation. Et avec cet objet, vous pourrez travailler votre chien dans toutes les situations. Et c'est comme ça que vous verrez par le bien de toutes les vidéos qu'il y a sur ce site. L'apprentissage par le jeu, c'est très important. Jamais de conflit, pas de contraintes. Le chien est heureux de faire ce qu'il fait parce qu'il a envie de le faire. Ah bébé, allez, viens. Allez.